Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Heart of Iron 4 avec l'Union Soviétique. On reprend, on s'arrête à la dernière fois, donc comme promis, bon, il s'est passé un petit peu de temps depuis le dernier épisode. Le temps que j'organise tout et que mes besoins se fassent ressentir. Donc, il se rend compte que véhicule motorisé, j'ai fait des gros stocks, matériel de secours aussi, char moyen aussi. Cependant, vous allez vous demander bah, comment ça se fait que le besoin a quasiment fortement diminué et que le besoin a augmenté. Donc en premier lieu, j'ai supprimé toutes les divisions qui ne servaient plus à rien. Donc toutes les divisions de cavalerie ont été transformées en brigades motorisées. Je prends des nouvelles divisions motorisées. Toutes les brigades de montagne ont été rééquipées comme il fallait. Toutes les brigades d'infanterie sont restées normales. Toutes les brigades de NKVD sont devenues des brigades d'infanterie standard. Donc après, bon, les parachutistes et les marines ont été totalement formés entièrement jusqu'au bout. Et maintenant, les divisions blindées sont opérationnelles. Donc ça c'est le premier grand changement qu'il y a, c'est pour ça qu'on voit que maintenant, ben, équipement mécanisé, on se rend compte que c'est pas des véhicules motorisés mais des véhicules mécanisés. Pourquoi je prends l'infanterie mécanisée? Je vais juste vous montrer. On prend ça et maintenant on va prendre une infanterie mécanisée. On a une meilleure défense, on a une meilleure probabilité de percer, meilleure attaque légère, meilleure attaque courte, plus de vie, plus de blindage, plus de perforation. On est juste un tout petit peu plus lourd, on perd un petit peu du vitesse de mouvement, 0,4%, c'est négligeable. On en gagne en forêt, en jungle, en marécage, donc dans les endroits vraiment difficiles, on en gagne. Dans les rivières et les villes, on en perd un petit peu. Enfin, surtout dans les rivières, après, dans le reste, on perd pas de mouvement, donc pas grave. Attaque-défense, on en perd un peu dans les villes, c'est normal. On est moins mobile. Mais bon, d'un côté, c'est beaucoup plus rentable. Bon, certes, ça coûte plus cher à produire, mais bon, c'est un détail. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit d'ailleurs que je construis une toute nouvelle armée de Panzer Division, hein, enfin de Division blindée. Bon, maintenant, il faut encore que je produise tous les chars qu'il faut pour que ça aille. J'ai remplacé toutes mes lignes par les armées GR 3, j'en ai rajouté une nouvelle. D'ailleurs, celle-ci, je vais te faire ça. Matériel de secours, on n'a plus qu'une de ligne. Artillerie, on n'a plus qu'une ligne. Canon de char, qu'une ligne. Tank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes de tank maintenant. Une seule ligne de Katyusha, une seule ligne d'infanterie motorisée. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, j'aurais voulu amener à 10 de... à 10 lignes de matériel mécanisé, mais je n'avais pas possibilité. 4 lignes de chasseurs, 2 lignes de bombardiers PE-10, 2 lignes d'IL-4 pour les bombardiers navals, parce que ça me sera très utile contre le capitalisme. Non. Beaucoup de lignes de sous-marins avec une dernière ligne pour le convoi vu qu'il me restait deux Srinaval. C'est pour... Au niveau des constructions, on va remettre en priorité, bien, toute l'industrie militaire va être reconstruite en priorité. Bon, faut dire que je suis un petit peu responsable de tous les dégâts qu'il y a eu dans les industries. Les chantiers navals aussi doivent être mis assez vite en état. Sophia... Les ports, on s'en fiche. Pour l'instant, c'est les chantiers qui nous intéressent. Voilà. Ça, j'ai pas fait dans l'épisode quand j'étais hors ligne, donc je m'en excuse. Alors, la guerre contre le capitalisme va être très dure. Une fois que j'aurai fait tomber la France, j'aurai fait tomber le gros morceau. Après, il restera les États-Unis. Mais bon, ça sera un autre morceau en temps voulu. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de l'avoir monté. Ça. Donc là, j'ai vraiment une priorité, moi, à réparer toute mon industrie militaire. Je ne construis pas d'industrie quand j'en ai beaucoup à réparer. Ça peut surprendre, mais je trouve que mieux vaut optimiser déjà ce qu'on a plutôt. Voilà, on a déjà tout ça à réparer. Ça prendra déjà du temps. Donc les effectifs, ils en ont pris un coup, mais ça ira. Ressources insuffisantes. Aluminium, j'ai plus de pénurie. Caoutchouc, c'est le seul matériau que j'ai pas. Il faudrait que j'arrive à envahir ici, mais bon, ça attendra. Tungstène, j'ai pas de soucis. Acier, j'ai quelques soucis d'approvisionnement. Mais je devrais bientôt plus en avoir du tout. Parce que. Chaîne rationnelle. Voilà, j'ai en plus une technologie qui a arrêté. Chaîne rationalisée. Productivité, plus 25%. Donc la pénurie restera plus courte. Donc nous sommes en 43, bah, infanterie mécanisée, matériel niveau 2 déjà. Donc entre les deux, on voit que j'ai une meilleure défense, une plus grande chance de percer, une meilleure vitesse, plus de résistance, plus de blindage, voilà, et une meilleure perforation. Donc.
Mais non, voilà, le dernier, ça s'améliore encore. Et le dernier, au final, quand vous arrivez au tout dernier niveau, vous vous rendez compte qu'ils vont aussi vite que les véhicules motorisés. C'est pour ça que l'infanterie mécanisée est une excellente... est excellent, je trouve, dans une armée. Mais c'est impressionnant. C'est quand même... J'en utilise autant que ça, quand même. J'en utilise autant que ça. L'acier. Enfin bon. Donc les réserves, on s'en fiche. Avion disponible en réserve. C'est sûr, vu tout ce que j'ai. Donc maintenant, mes points de bataille. Et après, j'aurai un petit coup de gueule à pousser par rapport à un commentaire, mais ça, on y reviendra. Donc, point de bataille d'invasion de la Grèce, qui est, je crois, sous protectorat, bah, indépendance garantie. Bon, par contre, les ressources vont très vite être demandées, ce que... Alors, à savoir que prochain, dès que j'ai des points politiques, la prochaine chose que je fais, c'est de passer en... Excusez-moi, c'est ici la politique. Je vais passer exportation limitée à économie fermée. Si je peux, parce que c'est peut-être pas possible. Parce que j'ai besoin de tout prix du pétrole. Donc, la Grèce, je vais devoir délocaliser une partie de ces troupes-là pour aller ailleurs, parce que la Grèce risque pas de déclarer la guerre. Donc j'ai prévu l'invasion... de l'Afrique, ça sera l'armée du Caucase viendra mon armée africaine. Afghanistan, bien évidemment, prévu. L'invasion rapide de la République là et de la République là. Ils viendront de Nankin en parallèle plus tard. J'ai pas de troupes sur le front là, mais ils arriveront quand ils pourront arriver. Le Tibet, le Népal, le Wuhan sont pour l'instant indépendants. Une invasion rapide d'ici, mais ça me fait penser que j'ai toujours pas. Fait ce que je voulais faire, donc ici scinder l'armée en deux pour défendre au niveau des forts alpins. Voilà, c'est même pour pouvoir avoir une certaine défense à cet endroit là. Donc ici des grandes préparatifs d'invasion des pays du nord. J'ai toujours pas mis de division qui était. Bah bon, là c'est beaucoup dans l'organisation. Et là, on va avoir besoin de... Non, c'est bon. Et là, on a toujours un objectif de guerre sur... transformer un état fantoche. Rapidement. Donc, j'ai un petit coup de gueule à pousser. Alors, une personne me reproche... fervent soutien du communisme dans ma série. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait attention quand j'ai fait celle française, j'ai agi exactement de la même façon. Donc, de manière générale, j'aime bien... quand je joue une faction sur un jeu de cette dimension où on joue un pays, un jeu paradoxe de manière générale, j'aime bien entre guillemets juste me donner un petit peu un petit genre, voilà, je suis je fais partie de l'armée soviétique bolchevique. Ma boucade va être affectée là et je vais récupérer les trois divisions là qui vont être affectées ici. Division. J'aime bien me donner en gros un peu soutenir, voilà, c'est normal. Comme division. C'est logique d'une certaine manière. Je joue un pays, je vais quand même un peu de faire foi de ce pays. Je vais quand même jouer un peu cette faction. Bon, après, c'est qu'un genre. Je partage pas forcément leur idée. Donc, je préfère vous rassurer là-dessus. Ça me surprend pas que j'ai besoin d'autant d'équipement. La tank logique aussi. Nous on a une priorité au. Ici voilà. Donc construction 4 c'est bon, on réparera plus vite. Voilà. Donc c'est vraiment que pour essayer que je fasse ça. Je jouerais un pays fasciste, vous me verriez jouer en soutenant leur idée. Même si c'est faux, c'est juste que je me donne un genre, voilà. Ensuite j'ai un autre coup de gueule. On m'a reproché de ne pas avoir fait de vidéo de soutien sur les attentats. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Je suis là pour vous faire du divertissement. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je suis là, je vous propose du divertissement pour vous détendre, etc. Le but, c'est pas que à chaque fois, dès qu'il y a un malheur qui arrive, que je fasse une vidéo dessus et qu'on passe tout notre temps dessus. C'est triste. On va pas nier, mais le but, si vous regardez mes vidéos en ces moments-là, c'est de vous détendre, c'est de passer un bon moment, c'est...
Voilà, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas me permettre, je peux pas me permettre. Je ne vais pas faire des vidéos pour vous faire plaisir, d'une certaine manière, je vais faire uniquement des vidéos pour détendre, pour voilà. Donc c'est pour ça que je n'évoque à aucun moment ces moments-là. J'ai déjà expliqué ça une fois, dans les dernières fois, et je réexplique aujourd'hui pour que vous compreniez que c'est tout à fait normal. Voilà. Je pense que c'est mieux que ça soit ainsi. Comme ça, au moins, vous vous détendez, vous passez un bon moment, vous. Et quand même, d'une certaine manière, c'est bien pour vous. Mais voilà, d'un autre côté, ben, ça peut peut-être déranger certaines personnes. Mais voilà, moi, je préfère vous dire honnêtement ce qui est, comment ça sera, que plutôt vous mentir. Voilà. Vous regardez mes vidéos en ce moment, ben, c'est pour vous détendre, c'est pas pour que je passe 20 minutes à faire l'apologie de ce qui a passé ou de ce qui est arrivé. Ah, c'est un drame, etc. Non. Donc je suis désolé, certaines personnes ne vont pas apprécier ce que je viens de dire. Ah, j'oubliais. Quand j'ai trop d'industrie, j'ai un bug, c'est. J'ai des gros freeze. Quand je change de journée. Excusez-moi, donc le gros freeze, comme je vous l'ai dit, qui provient quand. Si jamais je passe une journée quand j'ai beaucoup trop de lignes de production, j'ai un gros freeze. Me demandez pas d'où ça vient, j'ai le souci là. Excusez-moi, il y a un gros freeze, faut que je pense à ne jamais ouvrir, à mettre en pause quand je vais dans ma production. Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en mode ligne de combat là. Donc faut que je prévoie les invasions norvégiennes, etc. Donc voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule, donc voilà, la personne a dû être contente de son coup, mais voilà. J'ai redonné encore une fois mon point de vue dessus. Et ça sera la dernière. Donc, là, le gros problème qui risque de se frapper, ça va être la France, où je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de divisions. D'accord, d'accord, d'accord. Un gros problème de pétrole aussi, mais une fois que je serai en économie, quoique je pourrais... faut que je regarde les lieux stratégiques des ressources là. Ici, bon, ici il n'y a pas de ressources pétrolifères, il n'y a pas de ressources pétrolifères à grand dans beaucoup d'endroits. Faut voir, le Vénusier est là. Ouais, j'aurai des pénuries de pétrole par la suite. J'aurai de graves pénuries de pétrole, mais c'est normal. On a peut-être que je fasse ces recherches. Aluminium, acier, j'aurai pas de soucis. Chrome, j'en aurai pas. Tungstène, j'en aurai provisoirement, mais bon. Voilà, au pire, j'envahis le Portugal, j'ai tout le tungstène que je veux du monde entier. Ou même Orage Britannique a du tungstène pas mal là-bas. En Suède, il y a du tungstène aussi en bon nombre. Donc, bah. Caoutchouc, bah, une fois que j'aurai envahi Singapour, j'aurai plus de problème de caoutchouc. Et on voit que je suis en train d'utiliser une grande partie de mon industrie civile pour importer ce qu'il me faut pour la guerre. Euh, 411 jours, c'est normal. Je crois que j'ai dû remplacer. De mémoire, ça fait un petit moment que j'avais fait ça, mais les troupes du NKVD utilisaient des canons d'artillerie, non pas des katushas. Alors, je préfère toujours le katusha pour une idée un peu plus roleplay de la faction. D'accord. J'ai mon nouveau yak. Un peu plus roleplay. Ici, je vais pouvoir lancer cette roche. D'accord, c'est un truc de 44 ça. Ben oui, on va faire cette recherche. Et production, comme vous voyez, là, ben, on va reconvertir tout ça dans les nouveaux yaks. Enfin, les yaks 3, on va passer au yak 3. Qui, je crois... Voilà, il demande juste de l'aluminium en plus. Donc autant dire, c'est négligeable. Moi, quand ça demande de l'aluminium, moi je suis content. Hein. Me dites
J'ai une ligne de production que j'ai dû mettre au même endroit de sous-marin. Kursen, 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 voilà, sexy. Voilà. Donc, je vais faire une flotte de U-boat. Enfin, l'équivalent des U-boats allemands. Le problème, c'est qu'ils font partie des alliés. Voilà, ils font partie des alliés. Donc... Parce que si j'ai envie. En fait, l'avantage des Pays-Bas. Quoi... D'ailleurs, voilà, les Pays-Bas, vous voyez, ils ont énormément de caoutchouc. On va en ressources, on voit ici, caoutchouc. Voilà. Ils ont des puits de caoutchouc. Immense là. D'ailleurs, c'est étonnant. Et j'ai raison d'avoir autant de convois parce que là, j'ai vraiment besoin de convois pour mon industrie militaire. Avion en réserve, bon ben. Là, on va vraiment avoir une grande, une petite période de paix nécessaire parce que c'est vraiment complet de mon pays. C'est le l'équipement complet de mon armement. Hein, parce que là. L'équipement motorisé, ben, il faut qu'il arrive, et les Katusha, ben, il faut qu'ils arrivent au front. Hein. Donc on va après, je pense, avoir un an de paix. On va cependant, dans cette année de paix, on va récupérer énormément de divisions en plus. Je vais faire beaucoup de divisions mécanisées, divisions blindées. Ben, ça, c'était contourné. Développement marine, c'est fait. Prendre quelques détroits. Comme ça, mer et jet pour moi. Je pense que... Oh, la guerre pourrait arriver plus tôt que prévu. On va faire comme une terne. En priorité. Et là, je vais vraiment manquer maintenant d'industrie civile. Là, on voit que j'ai quasiment tout utilisé. Ah non, là ils ont bateau. D'ailleurs, ici, on va... Toc. On va couper ça. On va prendre... Mais vos... Importé au, à la première puissance, il m'en faut 264. Voilà. Mais vous importez à première puissance pouvant. Voilà, Royaume-Uni, je sais pas. Tout d'un coup, Royaume-Uni peut en exporter bien plus. Étonnant. Hein. Quoi qu'il en soit. Indépendance garantie par Angleterre. Bah, de toute façon, là, il va y avoir une guerre et je vous promets qu'elle va déraper celle-là. Si je peux perdre dessus, hein, je vais pas nier, parce que toutes mes armées globalement sont dans des situations assez simples. Mais on va pas nier, il y a des endroits où je risque de. D'ailleurs, ici, eux, ils vont faire que défendre parce que, à mon avis, je risque de me prendre. Un assaut que je risque pas d'apprécier ici. D'ailleurs, il faut que je construise des fortifications supplémentaires le long de ces lignes. Alors, c'est rare qu'on pouvait faire des forts, mais dans certaines situations, c'est nécessaire. Voilà. Dans certaines situations, c'est vraiment nécessaire. La ligne Siegfried va être renforcée aussi. Voilà. L'industrie a une priorité, c'est mon réarmement de mes défenses. Enfin, c'est la préparation de mes défenses. Alors, Afghanistan, une fois que j'ai envahi l'Afghanistan, je me mettrai en ligne de front pour envahir le Raj britannique. Alors, eux, normalement, il n'y a personne qui les soutient, donc ça devrait être vite être fait. D'ailleurs, j'ai tout réarmé. D'accord. Me demandez. Voilà, parfois, ils font tout le tour là et après, ils vont se redéployer ici. Autant vous dire que ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est le jeu qui est comme ça et. On n'a pas trop le choix. Alors, ici, par contre, on va vraiment regarder. Voilà. Maintenant, mon armée peut. L'armée de. Enfin, maintenant d'Italie, c'est plus l'armée d'Hongrie. Peut faire face à. Non, peut pas faire face, oui, d'accord. L'armée des pays baltes. Elle est vraiment. L'armée des pays baltes risque de prendre cher. Mais bon, j'ai des meilleures divisions que.
De toute façon, une fois que je serai totalement équipé de mon nouveau matériel, bon, et Katusha mettra un peu de temps, j'ai supprimé beaucoup de lignes de Katusha. Mais bon, j'ai fait ça exprès parce que je me suis dit, j'ai besoin de beaucoup plus de matériel mécanisé que de Katusha. Il me vaut rapidement combler le déficit au niveau des Katusha. Du matériel mécanisé, excusez-moi. Et ici, on voit que j'ai bientôt accès à l'intégralité de mes tanks. Les matériels mécanisés qui arrivent au compte-gouttes, mais qui arrivent quand même. Hein. Bon, par contre, les divisions vont avoir. Ils vont aussi avoir un moment d'entraînement que je pourrais pas leur fournir, malheureusement. Mais bon, c'est normal, je devrais avoir un moment d'entraînement. Et l'Allemagne qui a. Ça m'embête qu'il y ait ce territoire-là en plein milieu de chez moi, mais bon, j'ai pas eu le choix. Acier. Acier, ça doit être pour mes armes. Ça doit être pour mes armes. Que j'ai demandé toutes mes industries en plus que je. Non, même pas. D'ailleurs, ici, vous allez me dire amélioration, ça va prendre longtemps. Ben oui, 515 000 armes légères qu'il faut. Ben 515 000, ben. Vous n'avez pas du jour au lendemain. Hein. Par contre, c'est impressionnant quand même. La Suède a vraiment une puissance armée. Qui pourrait me mettre en difficulté. Après, bien évidemment, je compte envahir depuis. Je compte envahir le Danemark. Après, avec le Danemark, je compte directement envahir au sud de la Suède. Mais bon, pour ça, il me faut ma nouvelle division blindée. C'est l'importance là de mes choix stratégiques. Ça s'est vraiment focalisé pour me préparer massivement à la guerre suivante. Alors là, j'appellerai par contre tous mes alliés. J'appellerai. L'Espagne nationaliste, enfin républicaine, qui se fera totalement exploser, qu'on soit d'accord. Hein. Parce que je ne vais pas tenir face à tout ça, malgré qu'ils aient des divisions blindées légers. Le problème, c'est toujours des blindés légers, ils n'ont pas de division de blindés moyens. Moi ici, ben, ce que je compterai, c'est uniquement mes fortifications. Et là au nord, d'un coup au nord, j'ai repris l'initiative sur l'adversaire. Je perds beaucoup d'expérience, mais c'est comme mes divisions là, ils ont perdu énormément d'expérience du fait que j'ai rajouté encore plein de troupes dedans. Mais bon, parfois il y a des sacrifices nécessaires pour la bonne cause. Donc là, on va accélérer encore un peu. Est-ce que je peux passer en économie fermée? Non, donc je vais attendre le. Une petite guerre pour me. Ou une grande guerre pour passer en économie fermée, parce que là j'ai vraiment besoin de limiter les exportations au maximum. Armée du Moyen-Orient, c'est laquelle? C'est l'Afghanistan, ça. Après, il y a une technique, c'est de réussir à prendre le Tibet, le Népal, le Bougan pour faire une invasion du Raj britannique sur beaucoup de fronts, mais ils ont que 30 à 36 divisions. Un seul front avec ces armées-là, et j'aurais normalement pouvoir passer tranquillement dans tout le Raj britannique et pouvoir facilement le faire tomber. Et ainsi récupérer toutes ces ressources. Bon, le tungstène, c'est toujours pratique d'en avoir. Un peu de caoutchouc, c'est toujours bien. J'aime bien avoir un tout petit peu de caoutchouc, même si c'est négligeable, c'est toujours pratique en plus. Mais bon, là, c'est vraiment au niveau de la France qui risque d'avoir beaucoup de guerres, et au niveau de Singapour. Sans ça, ma production de mécanisé, ben, j'en aurais plus. Faut qu'on se mette d'accord. Vague offensive, ça c'est génial. Donc consommation de provisions en moins, aire de combat diminuée. Percée, organisation, toute l'infanterie motorisée gagne plus 10% de percée, plus 5 d'organisation. Et on débloque la stratégie de guerre percée. Enfin, l'option tactique percée. En fait. Ici, je pense que j'ai fait une seule erreur, c'est que cette armée-là devra. Au niveau de ma ligne de défense, faut pas qu'ils attaquent. Faut éviter de me tromper, sinon je risque de. Voilà, vous voyez, mes forts se construisent ultra vite. Voilà, des. Là,
Ici, je tiendrai, mais je peux vous assurer que je tiendrai avec quasiment rien. Enfin, normalement. Pareil ici, au niveau de la Insifuig, je tiendrai normalement plutôt facilement. Des bases aériennes d'ailleurs, il faut que je construise d'autres bases aériennes derrière. Alors pourquoi je construis autant de bases aériennes? Ben, pourquoi je mets des bases aériennes de niveau 10 à ces endroits? Non, vraiment le but des bases aériennes de niveau 10, c'est pouvoir mettre 2000 avions dessus. Normalement. Bon, celle-ci est totalement démolie, mais une fois totalement reconstruit, c'est des bases aériennes qui me permettront d'avoir 2000 avions dessus, comme j'ai dit. Construction ici. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre les deux? Les deux, ouais, les bases aériennes coûtent un peu moins cher, mais bon, j'ai besoin des deux de toute façon. Comme ça, je pourrais stocker énormément de chasseurs pour d'ailleurs déjà de me défendre. Pour me défendre et pouvoir les envahir, mais aussi je pourrais mettre beaucoup de bombardiers pour pouvoir notamment bombarder leur industrie et surtout la France qui est important avec les bombardiers. J'utilise les bombardiers stratégiques, normalement le meilleur bombardier c'est les bombardiers tactiques parce qu'ils font soutien au sol et stratégique. Quand vous avez peu d'industrie, quand vous avez beaucoup d'industrie, faites des bombardiers d'attaque au sol pour le soutien de vos attaques et faites des bombardiers stratégiques pour raser l'armée adverse. Les bombardiers stratégiques vont avoir un rôle décisif dans cette campagne étant donné qu'ils vont avoir comme but de démolir toute l'infrastructure de défense de la ligne Maginot, de la fortification belge et de la fortification du sud, de la fortification alpine. En faisant sauter toute cette ligne de défense, je m'assurerai en fait une mainmise. Enfin, une mainmise. Je m'assurerai en fait d'avoir la possibilité de lancer une offensive majeure sans me heurter une ligne de défense. Je me heurterai uniquement au problème de conditions de terrain. Donc, comme une terne, c'est bon. Alors, de coup de grâce, système KT, tous les particulistes doivent suivre une ligne d'extrême gauche militante très agressive. Ils sont pas reconnaissants les particulistes du monde entier à tout mettre en œuvre pour éliminer la gauche modérée. Aux communistes. On va faire pousser vers le sud. L'annexion de l'Iran et de l'Irak permettra à la révolution et pour rendre contrôle de leur vaste réserve de pétrole de faire directement pression sur l'impérialisme britannique en Égypte et en Inde. Voilà. Normalement, je pourrais contourner. J'aurais pu la contourner apparemment en annexant l'Afghanistan, mais je l'ai pas fait, tant pis. De toute façon, ici, l'invasion. C'est ça que je me dis, c'est dommage que j'ai pas fait beaucoup pression sur les États-Unis au tout début pour qu'ils viennent communistes. D'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. Moteur fusée, ça c'est bien. Par contre, ben, Good va me prendre beaucoup de temps, donc je pourrais pas le faire. Le radar peut être pratique pour l'aviation, mais j'ai besoin d'essence synthétique. Donc moi ce que j'arrive à faire en fait avec le Japon, c'est que j'arrive à faire en sorte que les États-Unis s'allient à moi. Vu que je soutiens le fasciste dès le début là-bas. C'est à mourir de rire. Vous avez en gros, avec moi le Japon, en gros je contrôle tout l'Est du monde et j'envoie même l'Union soviétique et je compte faire la guerre avec l'Axe. Et à côté de ça, ben, j'ai le soutien des États-Unis. Ils soutiennent... Enfin ils sont même dans ma faction à vrai dire. J'ai fait aucune doctrine aérienne. Ça prouve que j'ai un gros problème là. Aucune doctrine aérienne à ce moment-là. Faudra que je fasse des recherches ici aussi. On va déjà finir l'artillerie. Ce qui fait au final, en ayant le soutien des États-Unis, vous avez surtout un gros soutien d'une menace que vous n'aurez pas affrontée. Parce que débarquer aux États-Unis. C'est un casse-tête stratégique que vous verrez. Si j'arrive à gagner en Europe, les États-Unis, ça sera. Ça sera affreux. Je déteste envahir les États-Unis, croyez-moi. C'est la pire menace. Et le pire adversaire que j'affronte, moi, toujours. Alors, l'armée là-bas est arrivée. Maintenant, elle va commencer son entraînement. L'armée là est-elle totalement rééquipée? Pas encore, donc je peux pas commencer l'entraînement.
L'armée ici n'est pas totalement... Ah, c'est le problème maintenant, mes armées, quoi. Ils sont tellement mixtes. Alors, l'armée là peut s'entraîner, ça c'est parfait. Là, ce qui peut me sauver la mise, c'est que si mon armée est totalement entraînée pour la guerre. Voilà, par exemple, si tout le monde est en espérance normale, je ne vais pas m'en sortir. Donc, la petite guerre contre l'Afghanistan qui va arriver. Mon stock là de Yak 3 est déjà à 1000 unités, ce qui est énorme. On va pas se mentir. Division de marine, je pourrais faire ça. Niveau blindé, je pourrais. Je vais faire un tech rush T-54 pour avoir mes derniers types de blindés possibles. Bien évidemment, je gagne en fiabilité du fait que j'ai pris le bureau de Morozov. Je ne fais pas les tanks lourds. Les tanks lourds sont parfaits pour faire des percées et pour les dégâts, mais on se rend vite compte en fait que bah, la mobilité c'est mieux. Et surtout, en partant comme ça, moi je trouve que j'ai toujours préféré être char moyen ou char lourd. Je déteste pas les char lourds, mais la mobilité est vraiment, je trouve, primordiale dans une armée. Et l'importance, bien évidemment, d'avoir ça, ben, je trouve, est largement supérieure à toutes les contraintes qu'il y a derrière. D'ailleurs, ça fait penser qu'en production, ben, on va déjà passer au niveau 2. C'est bête, je vais perdre de la productivité. Mais c'est pas grave. Mieux vaut que j'ai tout de suite le meilleur, un excellent matériel. Bon, là par contre, ça me bouffe beaucoup d'acier. D'accord. Donc l'acier est un problème. Ici, on peut diminuer l'importation. Par contre, ici, il nous faut plus d'acier. L'acier qui sera pas un problème bien longtemps qu'on se mette d'accord. Parce que la première campagne me fera récupérer énormément d'acier, mes premiers plans d'invasion. Et normalement, ça devrait s'en sortir. Donc, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous remercie de regarder avec moi cet épisode. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte bien. Et à ciao tout le monde!